L'une assure la protection des biens et des personnes dans sa localité et l'autre gère presque tout le pays. Outre ses missions, la police, qu'elle soit municipale ou nationale, a bien d'autres rôles. La police municipale a été créée depuis 2015, comme l'a dit le sous-directeur. Elle a des missions pour assurer sur le territoire communal la sécurité, la quiétude des populations et surtout dans le cadre de l'accroissement des recettes, contrôler les cars de stationnement, contrôler les patentes et vérifier si tous ceux qui doivent payer les taxes de la municipalité régie par une délibération se fait. En dehors de ça, la police municipale n'est plus compétente. La police municipale n'est pas compétente à contrôler les pièces d'un véhicule particulier. Ça relève de la police nationale. Vous l'aurez compris, chers conducteurs, c'est à la police nationale d'opérer des contrôles sur vos véhicules.